Une ampoule de 40 watts est allumée pendant 2 heures sous une tension de 230 volts. Calcule l'intensité du courant qui traverse l'ampoule et l'énergie consommée. Indiquons d'abord les données. La puissance P est de 40 watts. Le temps petit t est de 2 heures, dont 2 fois 3600 secondes, c'est-à-dire 7200 secondes. La tension U est égale à 230 volts. Ce qui est demandé, ce sont l'intensité I du courant, que nous exprimons en ampères, et l'énergie consommée E, que nous exprimons en joules. Pour énergie et puissance électrique, nous avons toujours ces trois formules à notre disposition. Nous cherchons I et nous connaissons P et U. Donc, cette troisième formule est idéale pour trouver cette intensité I. Puisque P est égal à U fois I, le I est égal à P sur U. Nous remplaçons P par 40 et U par 230. Et 40 divisé par 230, ça donne à peu près 0,17. Donc, l'intensité I cherchée vaut à peu près 0,17 ampères. Ça, c'est une première réponse finale que nous retenons ici. Cherchons le E, connaissant P et T. Donc, cette deuxième formule est idéale. Si P est égal à E sur T, alors E est égal à P fois T. Nous remplaçons P par 40 et T par 7200. Et 40 fois 7200, ça donne 288 000, puisque c'est une énergie joule. Donc, l'énergie consommée est de 288 000 joules. Ça, c'est la deuxième réponse finale que nous retenons ici.